Salut à tous! Alors aujourd'hui, je vais vous montrer comment faire une agrafe avec mon bas de ligne en fluorocarbone, quand je pêche le brochet. Donc quand je pêche le brochet, j'ai un bas de ligne en fluorocarbone qui va de 60 à 80 centièmes. Je vais utiliser du fluorocarbone, donc Berkeley là, donc en 74 centièmes. Donc on va prendre une longueur de 15-20 cm à peu près. Donc on va couper. Comme ceci. Donc voici la longueur de fluorocarbone. Donc là je vais faire un nœud de 8. Donc pour le raccorder à mon fluorocarbone un peu plus haut, donc qui est en 35 centièmes. Donc on va faire un nœud de 8. Hop. Tac. On tourne. Et on repasse ici. Donc voilà un joli nœud d'huit. Ensuite, je vais prendre mon fluorocarbone donc en 35 centièmes. Donc hop, que je vais passer dans la boucle extérieure. Tac, comme ceci. Donc je vais prendre 10 cm de 35 centièmes. Hop. On va serrer le nœud d'huit. Donc je vais prendre une pince pour serrer tout ça. Une petite pince, hop, on serre bien le nœud d'huit. Ensuite, donc ça donne ça. Donc on va prendre le fluorocarbone en 35 centièmes qu'on va aligner au 70 centièmes. On va faire une boucle comme ceci et on va tourner. Donc là, on va faire 5-6 tours à peu près. Tours. Hop, et là ça donne ça. Donc là il va venir longer le fluorocarbone, il va venir glisser. Donc bien penser à humidifier pour pas que ça chauffe. Hop, les deux nœuds vont glisser les uns contre les autres. Et là on a un nœud bien costaud. Donc voici. Donc la reliure du 35 centième au 70 centième, donc pas brochet. Donc ensuite, on va couper les excédents de fluorocarbone, bien à ras, bien sûr. Donc des deux côtés, hop. Tac. Une fois coupé, ça donne un nœud assez discret. Donc voici. Donc ensuite, on va prendre le gros fluorocarbone. Et là, on va tout simplement faire comme ceci. Tac, hop. Voici. Donc ça donne ça. Ça va donner une petite boucle, toute simple, comme vous pouvez voir ici. Et là, on va prendre donc le bout du fluorocarbone qu'on va venir chauffer comme ceci. Je sais pas si vous voyez, voilà ce que ça donne. Donc hop. Et là en fait, par exemple, on va prendre un spinner bait. On va le passer comme ça. Tac. On va faire comme ceci. Et en fait, c'est vraiment tout simple. En fait, le nœud il va se serrer. Et le petit bout qu'on a brûlé, il va venir buter donc sur le nœud. Et voici une agrafe, donc en fluorocarbone. Donc l'avantage de ce nœud-là, c'est que votre agrafe cassera jamais. Donc que ce soit sur un poisson ou sur un lancer, l'agrafe va pas s'user. Et puis c'est hyper rapide à défaire. C'est vraiment bien. C'est très costaud. J'ai déjà pris du brochet avec. Donc voici, comme vous pouvez voir. Hop, ça bouge pas et c'est très discret. Et ça permet au. Ça fait comme une agrafe quoi, c'est très libre. Donc voici. Voici le nœud en fluorocarbone pour pêcher le brochet.
Et avec ça, c'est nickel. Et ensuite, même chose pour le défaire. Hop. Comme vous pouvez voir ici, tac, on le rouvre et hop, c'est défait. Et ainsi de suite, on change de leurre. Donc voilà, très simple. Donc voilà une petite astuce pour pêcher le brochet avec un gros fluorocarbone, pas besoin de mettre d'agrafe. Et c'est très costaud et sûr. Donc voilà, allez, ciao ciao!